Salut tout le monde et bienvenue sur GeekTech. Aujourd'hui, on va passer en revue la nouvelle cam 360 de Noi. Mais tout d'abord, on va la déballer. Elle est livrée dans un bon emballage minimal, assez léger, mais vous n'êtes pas ici pour voir la boîte. Alors voyons ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On trouve le guide d'instruction, un câble d'alimentation et la cam 360 avec l'alimentation, un support mural et une carte micro SD de 32 gigabits. L'appareil lui-même est assez correct, le boîtier est en plastique qui est léger et durable, mais aussi solide, donc il peut prendre des coups sans problème, ou si vous le laissez tomber. À l'avant, on a l'objectif avec un joli petit autocollant dessus qui nous rappelle de la marque Noi, avec un microphone juste en dessous. On trouve aussi un voyant d'état, sur un seul côté, on trouve un haut-parleur. À l'arrière, on a un micro USB et un bouton de réinitialisation. Et en dessous, le support mural. Au niveau fonctionnalité principale, l'installation de l'application sur votre appareil à sa configuration est super simple. Il suffit de suivre les instructions et vous invite à créer vos identifiants de connexion comme vous le feriez normalement. Et enfin, scannez le code QR avec l'appareil photo. Et vous avez terminé. Maintenant, vérifions les principales caractéristiques. Vous remarquerez évidemment la vue panoramique à 360 degrés et l'inclinaison. Alors, à quoi ça ressemble et comment ça marche? Eh bien, c'est simple. Tout ce que vous devez faire lorsque vous regardez depuis votre téléphone est de commencer à balayer vers le haut, à gauche et à droite, et l'appareil photo s'ajustera à vos balayages. Mais le plus impressionnant est la qualité de la vidéo avec le 1080p global, c'est très fluide. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un enregistrement 1080p. Testant le suivi de mouvement, vous pouvez dire que c'est assez clair, et oui, je veux dire qu'il suit assez bien, donc la détection de mouvement et de son est excellente et je suis très impressionné par le temps de réponse. Vous allez simplement dans l'application choisir un jour, choisir une heure à laquelle vous voulez qu'il soit allumé, puis s'il y a du mouvement ou s'il y a du son, il le captera et enverra une notification directement sur votre appareil. Puis vous pouvez regarder votre enfant qui dort, par exemple. Beaucoup de ces caméras de nos jours sont équipées d'une vision nocturne. Certains, les blancs sont si brillants et il n'y a pas beaucoup de contraste. Mais avec celle-ci, vous pouvez voir les détails assez bien. Donc je suis en fait assez impressionné par son système d'infrarouge. Autre chose, l'audio est bidirectionnel. Parce que c'est quelque chose qui est aussi important si vous voulez parler à vos enfants ou si vous voulez laisser une note pour quelqu'un qui vous laisse un colis et vous pouvez même leur crier dessus s'ils ne sont pas délicats avec vos colis. Surtout avec la qualité qui reste assez claire. Un autre point à prendre en considération, c'est le stockage. Vous pouvez donc enregistrer aussi sur l'application et ça va stocker dans l'album photo de votre téléphone. Vous pouvez également créer un compte, ce qui signifie que vous pouvez vous abonner avec un stockage cloud sécurisé. Vous pouvez aussi enregistrer localement sur une carte SD allant jusqu'à 32 Go et vous pouvez également créer un compte, ce qui signifie que vous pouvez vous abonner avec un stockage cloud sécurisé. Maintenant, il utilise Amazon Web Service, ce qui est assez impressionnant, et pour obtenir un enregistrement vidéo dans le cloud 24h sur 24, 7 jours sur 7, cela ne coûtera que 5$ par mois. Pour le prix de la caméra elle-même, d'autres caméras que vous payez comme 200$, voire plus, celles-ci sont assez bon marché pour chaque fonctionnalité que vous obtenez. Ce qui est cool, il y a d'autres caméras de sécurité que j'ai essayé et c'est assez cher pour obtenir un enregistrement dans le cloud. Mais avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est assez génial et c'est assez bon marché. Donc vous considérez les autres offres et vous le comparez à ce que Noi 300 Cam propose. Je pense qu'il remplit bien sa part du travail avec les fonctionnalités proposées dessus. J'espère que cela vous aidera dans vos décisions d'achat ou dans votre recherche globale de caméras de sécurité. N'hésitez pas à donner votre avis si besoin ou toute question dans la section commentaires. Il me reste que de vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao !